Je suis toujours beaucoup intéressé à la sensorialité. J'avais publié en 76, il y a 40 ans, une astrologie sensorielle qui était articulée sur les quatre principaux sens en dehors du toucher, qui sont dans le visage, donc le toucher n'étant pas dans le visage, les yeux, les oreilles, le nez et la bouche. La vue, donc l'ouïe, l'odorat et le goût. Et je pense que ça nous renvoie à des réalités extrêmement anciennes. Certaines populations semblent accorder plus d'importance à la vue qu'à l'ouïe, ou à l'ouïe qu'à la vue. Et il est certain, par exemple, que les aveugles attachent plus d'importance à l'ouïe qu'à la vue, et que les sourds attachent plus d'importance à la vue qu'à l'ouïe. Donc, dis-moi quelles sont tes valeurs, je dis au groupe, dis-moi quelles sont les valeurs de ton groupe, puisqu'on est, on ne n'isole jamais un individu comme cela, il est toujours propre à un groupe, il n'est jamais unique en son genre, il n'y a pas d'idiosyncrasie à un certain niveau. Moi, je remarquais effectivement que les femmes étaient plus dans la parole et les hommes plus dans le visuel. Et la différence entre le visuel et la parole, donc entre la vue et l'ouïe, c'est que si on ne vous parle pas, vous ne savez rien. Alors que si je me montre, déjà, je montre quelque chose de moi-même, même si je n'ai pas voulu le faire. Donc, on voit que la notion de volonté est très importante dans le schéma féminin, dans le schéma de la parole. Si quelqu'un ne veut rien dire, il ne dit rien. Il ne sort rien de sa bouche. Et pour quelqu'un qui n'attacherait d'importance qu'à la parole, il n'y aurait aucune information. En revanche, du moment que vous avez affaire à quelqu'un qui est visuel, vous n'avez pas besoin de lui parler. Vous transmettez des choses que vous ne voulez pas forcément transmettre, qui vous échappent. C'est donc une dynamique totalement différente. Et je crois que cela caractérise bien, autour de ces axes sensoriels que sont l'ouïe et la vue, la différence entre les hommes et les femmes. Alors, quelle est la raison de cette différence? On pourrait remonter évidemment aux origines, enfin, à une recherche des origines, à la recherche d'une évolution qui aurait fonctionné différemment. Je crois qu'il y a déjà quelques temps, il y a même quelques années, j'avais échafaudé quelques théories à ce sujet en disant que peut-être que les femmes avaient vécu, les femmes, c'est-à-dire l'humanité qui est à l'origine de ce qu'on appelle les femmes, on pourrait peut-être parler des Néandertaliens, enfin bon, on ne pourrait pas aller trop loin dans la précision, voilà, auraient vécu dans des grottes peu exposées au jour, à la lumière du jour. Elles auraient vécu dans une sorte de nuit. Bon, pour se protéger peut-être, éventuellement, pour se protéger. Et donc finalement, dans ces grottes extrêmement sombres, c'est la parole qui serait apparue comme étant le mode de communication par excellence. Et cette parole, elle joue un rôle absolument exacerbé. C'est-à-dire qu'il faut pas, on parle pas simplement pour dire quelque chose. On parle pour dire qu'on est là, qu'on est présent. On fait acte de présence par cette parole, puisqu'on ne vous voit pas ou on vous voit très mal. En revanche, une humanité, celle de l'Homo sapiens, par exemple, là encore, je prends certains exemples qui valent ce qu'ils valent, qui aurait vécu plutôt à l'espace libre, en plein jour, eh bien, elle aurait bien entendu pu faire un usage beaucoup plus développé de la vue que des êtres qui auraient vécu dans les cavernes. Je reprends l'exemple de Platon, qui n'était pas sans intérêt par rapport à notre débat. Et puisque Platon parle justement de ces gens qui sont dans la caverne et qui d'un coup vont ressortir de la caverne en plein jour. Mais c'est un peu le passage des femmes de l'humanité féminine à l'humanité masculine. Bon. Et à partir de ce moment-là, le fait de vivre en plein jour
va permettre d'avoir un tout autre mode de relation qui ne passe pas par la parole nécessairement. Les gens, comme on dit, ils se comprennent par des gestes, par des attitudes, par des mimiques, par des comportements, tout simplement, par des actions. C'est tout à fait autre chose. Donc là, on a véritablement deux mondes qui sont en confrontation. Et c'est, une fois de plus, je montre quel point il est complètement vain de parler d'une sorte de similarité entre les hommes et les femmes, qui ne tient absolument pas la route. Et plus on va travailler sur ces différences entre les hommes et les femmes, plus cette idée d'une humanité unidimensionnelle deviendra complètement dérisoire.